Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Me hablaron de cerca y de acercarse. Y enseguida pensé en un verso de César Vallejo que me conmueve desde hace años. Lo leí por primera vez en La Habana, en una antología del poeta peruano que publicó Casa de las Américas. Dice, jamás tan cerca arremetió lo lejos. Se me viene a la mente muy a menudo, en circunstancias de lo más diferentes. Me habita como un pájaro que armó su nido en mi corazón. Me acecha. Últimamente lo tengo demasiado presente. Lo amaso, lo declamo, lo incorporo, lo pienso, lo siento. Hay tantas oraciones que giran en torno a la distancia. Me pregunto qué es la distancia y, de inmediato después, qué es la cercanía. ¿Dónde? ¿Cómo? En ambas muero, con ambas resucito. Busco lo convexo en lo cóncavo en lo convexo. Cerré los ojos y en un pispás me vi caminando de Buenos Aires a Miami, de faena en faena. Por tierra, los 7.094 kilómetros me hubieran llevado unos 7 meses. Como caminar es también una metáfora, además de un medio de locomoción todavía vigente, autosustentable, eficaz y tecnológico, convertí los kilómetros en pasos, de modo que los di uno por uno, con descansos y dolores, en esta sala límpida vuelta a mapa. En estos tiempos tan peculiares, simular puede ser una extraña forma de verdad y llegar lejos una manera de empezar cerca. De si près n'assaillit le lointain. On m'a parlé de proche et de s'approcher, et j'ai tout de suite pensé à un vers de César Vallejo qui me touche depuis des années. Je l'ai lu pour la première fois à La Havane dans une anthologie du poète péruvien publiée par Casa de las Américas. Il dit « Jamais d'aussi près n'assaillit le lointain ». Cela me vient à l'esprit souvent, dans des circonstances très différentes. Il m'habite comme un oiseau qui a construit son nid dans mon cœur. Cela me harcèle. Dernièrement, je l'ai trop présent. Je le pétris, je le déclame, je l'incorpore, je le pense, je le sens. Il y a tellement de phrases qui tournent autour de la distance. Je me demande ce qu'est la distance et immédiatement après, qu'est-ce que la proximité? Où? Comment? Dans les deux, je meurs. Dans les deux, je ressuscite. Je cherche le convexe dans le concave dans le convexe. J'ai fermé les yeux et en un éclair, je me suis vu marcher de Buenos Aires à Miami. D'un faena à l'autre faena. Par voie terrestre, les 7094 kilomètres m'auraient pris environ 7 mois. Comme la marche est aussi une métaphore, en plus d'un moyen de locomotion toujours en vigueur, autonome, efficace et technologique, j'ai converti les kilomètres en pas pour les marcher, un à un, avec des pauses et des douleurs, dans cette salle limpide devenue carte. En ces temps particuliers, simuler peut-être une étrange forme de vérité, et aller loin, une façon de commencer très proche. Los nueve monstruos. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso,
Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor, dos veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Y es muy grave sufrir, puede uno orar. Pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general harina, a la sal hecha polvo, al agua, huyendo, al vino, un eche homo tan pálida, a la nieve, al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Les 9 monstres. Et malheureusement, la douleur grandit dans le monde à tout instant, grandit à 30 minutes par seconde, pas à pas. Et la nature de la douleur, c'est la douleur de foi. Et la condition du martyr, carnivore, vorace, c'est la douleur de foi. Et la fonction de l'herbe très pure, la douleur de foi. La vertu d'être, celle de souffrir doublement. Jamais, hommes humains, il n'y eut tant de douleur dans la poitrine, à la boutonnière, dans le portefeuille, dans le verre, dans la boucherie, dans l'arithmétique. Jamais tant de tendresse douloureuse, jamais d'aussi près n'assaillit le lointain, jamais le feu ne joua jamais mieux son rôle de froid mort. Jamais, monsieur le ministre de la santé ne fut plus mortelle, et la migraine n'arracha au front tant de francs, et le meuble jamais n'eut dans son tiroir tant de douleur, le cœur dans son tiroir tant de douleur, le lézard dans son tiroir tant de douleur. Le malheur grandit, frères hommes, plus vite que la machine, à 10 machines d'un coup, et grandit avec la bête de Rousseau, avec notre barbe. Le mal grandit pour des raisons que nous ignorons. Et c'est une inondation avec ses propres liquides, sa propre fange et son propre nuage solide. La souffrance inverse les positions, offre une scène ou l'humeur aqueuse et verticale au pavé. L'œil est vu et cette oreille entendue.
et cette oreille fait entendre 9 coups de cloche à l'heure de la foudre et 9 éclats de rire à l'heure du blé et 9 sons femelles à l'heure des larmes et 9 cantiques à l'heure de la faim et 9 coups de tonnerre et 9 coups de fouet, mais pas un cri. La douleur nous agrippe, frères hommes, par derrière, de profil, et nous rend fous dans les cinémas, nous cloue sur les gramophones, nous décloue sur nos lits, tombe perpendiculairement à nos tickets, à nos lettres. Et c'est très grave de souffrir. L'on peut toujours prier. Alors, à cause de la douleur, certains naissent, d'autres grandissent, d'autres meurent, d'autres naissent et ne meurent pas, d'autres sans être nés meurent, et d'autres ne naissent ni ne meurent, les plus nombreux. Et aussi, à cause de la douleur, je suis triste, jusqu'à la tête, et plus triste, jusqu'à la cheville, de voir le pain crucifié, le navet couvert de sang, l'oignon en sanglots, les céréales, le plus souvent farine, le sel réduit en poussière, l'eau en fuite, le vin un ecce homo, la neige si pâle, le soleil si brûlant. Comment, frères humains, ne pas vous dire que je n'en peux plus et que je n'en peux plus de tant de tiroirs, tant de minutes, tant de lézards et tant d'aversion, tant de lointains et tant de soif, si soif. Monsieur le ministre de la Santé, que faire? Ah, malheureusement, frères humains, il y a, frères, tant et à faire.